Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un colis My Mussy. Alors, j'ai pas vu un petit cœur. J'ai un gros mignon. Ce petit colis. Alors, j'en ai pas commandé beaucoup. Donc, je pense qu'il y aura ma commande Amazon avec, mais on est toujours pas arrivé comme il y a de la neige et tout, c'est compliqué. Du coup, j'ai commencé Super Shop. Ah, non, vous. Comme on dit celui-ci. Alors, c'est tout chocolat. Non. C'est Choco Crunchy. White. Je pense qu'il y a des petits cœurs et tout. Je peux pas regarder. Ah bah non, ici. On peut pas regarder. Je me dis que c'est fermé. Ah, c'est écrit là. Ok. Muesli bio au chocolat au lait. Chocolat noir et chocolat blanc composé. Des ingrédients. Oui, c'est cool. Bon, bah c'est tout. Il y a chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Alors, c'est parce que c'est un petit cœur, je sais pas si il y a vraiment un petit cœur dedans, je sais rien. Je vous dirai ça. Ensuite, j'ai commandé pour ma frangine celui-là. Parce que moi, j'aime pas la framboise. Et là, il y a la framboise et j'aime pas ça. Donc, il y a. Muesli bio avec du crunchy de cacao et quinoa. Oh, je pense qu'elle va pas aimer. Des canneberges enrobées de sucre de coco chocolaté et des framboises. Bon, je suis pas sûre qu'elle va aimer vraiment. Enfin bon, on verra. Ensuite, j'ai acheté le chocolat tout court. C'est que chocolat noir, il me semble. Qu'est-ce qu'il dit? Muesli bio au chocolat avec des flocs, avec des cornflakes, j'arrive plus à parler, enfin à lire, au chocolat et des paillettes de chocolat noir. Voilà, je ne peux peut-être pas montrer ce que j'ai. Ah oui, c'est pas tout lit dans le fond, hein. Faut pas y aller comme un bourrin. Hein. Et chocolat banane. Il y a, du coup, Muesli bio. Chocolat avec chocolat noir et des bananes. Voilà. Donc. Et du coup, on a. Qu'est-ce que c'est? Découvrir nos box à cuisiner. Ah, bah, et vous aurez pu mettre autant de colle. Encore plus de colle, plutôt. Hello Fresh. Putain, j'ai froid. Ah, la neige, merci. Hein. Je me dégèle. Partager des moments délicieux. Ok, bon. Pourquoi pas. Ils aiment bien faire ça maintenant, des boxes comme ça, là, pour cuisiner. Il y en a je ne sais combien. Sans engagement, bah oui. J'espère bien. C'est que ça. Purelli, comment on dit ça? Purelli.com. Achetez maintenant sur frpurelli.com. Ouais, pourquoi pas? Et ça, ah, voilà. Valable 3 semaines. Recevez votre muesli personnalisé ici. Ok. Moi le cadeau, normalement à 25€ on a un cadeau. Moi le cadeau je l'ai pas eu parce que j'ai eu la bonne idée de... Je voulais savoir ce que c'était comme une andouille, j'ai cliqué sur poubelle et du coup il partait à la poubelle et j'ai jamais pu le remettre. Donc le cadeau... Voilà. Donc je sais pas ce que c'était le cadeau de ma tante je crois. Ouais, t'es mon temps, non.
Mixez votre muesli personnalisé d'une valeur de 10 euros maximum. Non, il ne met pas. Et du coup, on n'a pas de cause de quelque chose. Non, il n'y a rien. Bon, si je trouve quelque chose, je vous mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude parce que je vois pas toujours les choses tout de suite. Mais oui, du coup, je sais pas lequel je vais goûter. Peut-être le banane, je sais pas. Ou alors le 3 chocolat, peut-être. Je ne sais pas. Je vous redirai s'il y a des. Parce que dans tout, s'il y a des cœurs. Je sais pas s'il y a des cœurs. Dans celui aussi, je crois. Ouais. Je sais pas s'il y a des petits cœurs dedans. On dit rien. Bon, je vous laisse et puis je vous reprends quand j'aurai mes colis Amazon. Du coup, c'est reparti pour la suite de la vidéo. Alors, je suis désolée, je filme dans ma voiture encore. Mais j'ai été chercher mon colis Amazon que je vous ouvrirai après. Je vais d'abord vous montrer. J'ai reçu, enfin j'ai, hop, j'ai commandé des petits cotons lavables. Hop, si je veux bien, j'ai enlevé. Harry Potter. Et j'aime bien parce que c'est pratique pour les faire sécher. Comme ça on les accroche ici pour les faire sécher, c'est super pratique. Et du coup elles sont en bambou. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, elles sont en bambou. Là-bas j'en avais 10. J'en avais 10. Alors là j'en ai plus que 8 parce que j'en ai 2 qui sont partis à laver. Du coup, voilà. Alors, elles arrivent emballées dans du papier craft avec un petit. Comment ça s'appelle? Petite cordelette, une petite corde en. C'est trop bien fait. Et donc, du coup, elle m'a laissé. Alors, ça s'appelle les créas de Babinou. J'ai oublié de vous dire ce que c'était. C'est mieux que vous. Alors, elle se lave à 40 degrés. Voilà, elle se lave à 40. Et elle m'a laissé un petit mot comme ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'adore. C'est trop bio. Et du coup, je mettrai le lien, voilà, les créas de Babinou, ça s'appelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça, si vous voulez voir. Et du coup, j'en ai commandé d'autres sur Vinted. Alors, je me souviens plus du nom de la personne. Donc, si je retrouve, je vais essayer de vous le mettre aussi. Si je le retrouve, je peux essayer de vous mettre le. Son. Alors, il y a un petit panier comme ça. Je le trouve trop mignon. Avec c'est je vais y arriver, motif jungle et à l'intérieur comme ça avec des petits j'arrive pas à parler aujourd'hui hein. Comme d'habitude en même temps avec des petits koalas, je vais y arriver hein. C'est trop mignon, j'adore. Et du coup la lingette elle se présente comme ça, tac, enfin les lingettes, les cotons, enfin ils appellent ça les lingettes. Et du coup sur là je ne sais pas en quoi elles sont comme ça un petit peu en bouclette. Alors je sais pas, je les ai pas encore testées celles-ci. Donc je sais pas si elles vont être. Déjà elles sont douces, mais je ne sais pas si elles vont durer longtemps. Parce que par rapport à celles-ci qui sont en. Vous voyez. Ça fait aspect un peu coton. Ça fait pas du tout la même chose que ceux-là. Et du coup, je sais pas. Je ne sais pas combien de temps elles vont durer. Ah oui, il y a les deux, d'accord. Il y a celle-ci et celle-ci. J'ai même pas vu. La fille qui voit rien. Elle m'en a mis des comme ça et des comme ça. J'ai mis un peu moins sur là, je préférais sur là, mais elle m'a mis les deux. J'avais pas regardé. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, celle-ci, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour les 10, j'ai payé 20 et quelques. Donc, moi, je trouve que ça va à peu près. Et celle-ci, avec le petit panier, 15. Mais je vous remettrai tout. Je vous remettrai tout, ça sera plus simple. Je vous remettrai tout en bas. Et du coup, on va ouvrir le colis Amazon parce que je vais l'ouvrir en même temps que vous. Parce que je ne l'ai pas absolument pas ouvert. Donc, je ne sais même pas officiellement ce que c'est. Parce que du coup, à la base, je vais vous faire que mes colis Amazon. Enfin. Que mon colis Amazon qui devait arriver en plusieurs fois,
Et au final, ils m'ont rien envoyé. Alors, je les ai engueulés. J'ai appelé le service après-vente pour savoir ce qu'ils foutaient. Et au final, bah, apparemment, mon colis a été déposé en poirolé. Donc, bon. Au moins, je l'ai. C'est déjà ça. Mais bon. Il devait venir, il devait être livré à l'adresse. Et finalement, ils l'ont livré en poirolé. C'est un petit dodo pour. Oh la vache. Putain, c'est bien emballé, hein. Oh là là. Puis forcément, comme je filme dans ma voiture, j'ai rien pour couper, alors on va prendre les clés, hein. Système D. Là, c'est long, ouais. Parce qu'on va se sauver, il est bien emballé, hein. Ah, je le croyais. Oh oui, il va être gros, en fait. On ne voit plus derrière, là. Je sais même pas si vous le voyez en entier. Ou si vous le voyez en entier. Il va être énorme. J'essaierai de vous mettre, vous incruster un truc pour le... pour voir en entier, parce que là, dans ma voiture, ça va être un petit peu compliqué de vous le montrer en entier. Il est en train de se gonfler. Ça s'entend. Du coup, je vous incruste ça en... après. Alors, je vous incruste la présentation du petit coussin. Voilà le petit dodo. Alors, on a une petite fermeture pour pouvoir enlever, pour laver le coussin. Et voilà, c'est un grand dodo comme ça, là, les nouveaux qui sont soi-disant super bien et évitent le stress et compagnie. Alors, il est tout petit, hein, parce que c'est pour un... c'est pour rien que cher, donc il est tout petit. Voilà, il est gris, avec des petits, je sais pas quoi là. Oh, comment ils appellent ça? Hop, et en dessous, il y a un petit truc anti-dérapant, qui ne fait pas trop anti-dérapant, mais enfin bon. Voilà, voilà. Enfin, je vous incruste ça là, quelque part, en même temps. Et nous, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !